si yo gen un processus qui est en cours et puis yo pense faut que yo change, c'est que li pa bay résultat que t'as espéré. Après sous question ça, gen secrétaire d'État Anthony Blinken qui t'a fait déjà lors de son passage en Haïti, elle t'a fait avec tant d'insistance auprès autorité yo que sénateur Edgar Leblanc qui t'a fait office de président collège là, le ça t'es même du sommet de l'ONU à la 79e assemblée t'es fait demande là. C'est un demande qui au départ irrationnel parce que mécanisme qui vous permet une décision qu'on s'apprend par conseil de sécurité à son mécanisme qui est connu. Ces propositions ça a été fait pendant les deux années et demie du docteur Ariel Henry, qui n'a jamais réussi à joindre approbation conseil là, pour une raison bien simple. D'abord, il y a une histoire de regroupement et bagaille pour faire maintien de la paix que l'ONU voit en Haïti, toute période n'a pas passé par Mani, ministère, etc., qui baille un résultat négatif. Parce que généralement, mission de maintien de la paix, ce sont des missions d'interposition. Il y a deux groupes qui sont en conflit, ils sont censés mettre en mi-temps pour diminuer l'ardeur de deux groupes, d'un côté comme de l'autre. Il n'y a pas des missions d'intervention. Il n'y a pas à intervenir contre un groupe en faveur de l'autre. Cela veut dire que contre le groupe Mongueta et les bandits, en faveur du gouvernement, ils ont fait interposition, ils ont gelé la situation, ils ont créé une paix artificielle, et c'est ça qui fait que les ministres viennent aller, ou elles nous viennent retomber dans le même problème encore. Parce qu'ils n'ont pas abordé la question de l'éradication, base et sous-banditisme qui te gagne. Maintenant, c'est parce que vous n'avez pas obtenu une commission de la paix de l'ONU en Haïti qui fait yoté acculer Conseil de sécurité, notamment la Chine et la Russie, qui acculer les États-Unis à solution ça. Que vous avez sous responsabilité totalement, qu'il prend, la chercher moun, d'abord, lui fait une option erronée. La chercher une force de police, lui bail commandement à une entité de la police, lui dit la chercher moyen pour financer le, lui pas fait ça, parce que financement pour aller c'est environ 600 millions de dollars. Donc maintenant, si les États-Unis d'aujourd'hui n'ont pas capable de financer une opération pour 600 millions de dollars, sont pour à travers le globe, ou qu'on s'est menti. Nous voyons que son pile artifice pour essayer de faire la passer apparemment auprès du Congrès pour être capable de financement ces blagues. Parce que là, on a besoin de joindre des milliards pour envoyer en Ukraine, c'est son clic qu'on fait. Donc, il y a une position des États-Unis pour le problème en Haïti à Paris. Maintenant, il a fait le sénateur Leblanc Almandil deux jours après. Conseil de sécurité a refusé. Maintenant, pourquoi même un mois que tu as refusé une mission, et puis nous t'en dire que le nouveau président CPTA, architecte Leslie Voltaire, écrit une lettre pour demander même bagaille qui restait il y a deux mois. On est obligé de poser cette question. Est-ce que acteurs haïtiens bien comprennent qui ça a eu et qui ça a fait? Ou bien est-ce que yo assez innocent ou bien ignorant de comment mécanisme l'ONU fonctionne pour aller faire une demande comme ça? C'est évident que yo pas d'ailleurs pas même retourner sur question. Yo pas vrai pas grand bagage spécial qui passe en Haïti et me t'attendais monsieur Louis, il était bas explication très bien et au départ yo fait des erreurs sur le plan diplomatique qu'on pas fait dans et qu'on l'a pour écrire non normal et c'est preuve d'une très grande négligence
Et ensuite, ou allemand de un bagage qui a été décidé sous lit il y a deux mois. Donc, son bagage qui n'a pas même porté le devant Conseil de l'ONU, voire pour être décidé sous lit. Maintenant, pour qui ça s'est fait? Moi-même, je crois que les États-Unis ont un moyen de pression très fort sur les gens qui sont au pouvoir. Là. Même les gens qui ont un irrationnel, qui n'est pas bon, ou ils ont entré là-dedans, ils ont fait le coup de timoun, qui ont obéi à maman, le papa, etc. Maintenant, mission n'a pas de résultat. Mais mission n'a pas été capable de résultat. Et nous avons analysé ça sur toutes les cultures. Maintenant, si nous avons une structure qui a pensé et qui a une volonté, pas résoudre le problème nous avons là. Non, parce que le problème nous avons là, c'est pour pas qu'il a résoudre du jour au lendemain comme ça. Ou capable de mettre un blocage dans l'activité criminelle gang. Mais si on nous avons éradiqué le gang, oui, les États-Unis pas arrivé à éradiquer le gang. Le Brésil pas arrivé à éradiquer. Parce que le mécanisme qui mette gang sous place, ça, son mécanisme est extrêmement complexe et c'est un bagaille qui est à la fois un banditisme qu'il y a à l'économie. Donc c'est pour un bagaille qu'on peut éradiquer au matin comme ça. Maintenant, comme nous-mêmes, nous c'est un peuple qui est totalement imprévisible. Bagaille qui n'a pas fait aucun autre côté, nous qu'on arrive à faire. Et peut-être c'est un facteur qui t'a permettre nous arriver éradiquer gang là. Oui, moi-même bon temps au niveau grec après réfléchir sur question hein, qui pas penser en termes de la guerre mais qui penser en termes de solution étapiste. Parce que oui, on cap veut une solution étapiste à l'intérieur d'Haïti avec un certain support international. Mais pas Jean dirigeant nous gain là à aborder des questions hein, ni Jean international la proposer. Donc pour résumer, yon force qui là par exemple Kenya gain tâche que te cap bali, gain de bagages que le ta cap fait. Si te gain une stratège qui te cap étudier phénomène global là, ouais qui ça la police nationale capable faire, ouais qui ça l'armée capable faire et ouais qui ça finalement Kenya te cap faire. Mais ça t'est capable de permettre que puissance Kenya d'une certaine utilité. Mais j'en ai engagé là, ben d'abord nous avons vu que les gens qui démontrent que premièrement qu'il y a pensé, deuxièmement qu'il y a structuré, troisièmement qu'il y a des moyens politiques qu'il y a appliqué à ces bandits. Et jusqu'à présent, le temps d'un mécanisme de communication public, ça veut dire et effort de propagande pour faire manipulation sous l'esprit tout le monde. Il manie mieux que le gouvernement. La communication du gouvernement est désastreuse. Désastreuse. C'est quand vous avez dit que personne n'a pensé du tout dans la zone ça. Et les actions du gouvernement sont visiblement inefficaces. Pas parce que il y a une réalité déficit d'effectifs, déficit de moyens, déficit d'assistance technologique, mais surtout parce que il n'y a pas gain de monde qui a pensé à dans le domaine et qui a compétence pour penser et mettre penser en action. Gain de monde qui façon yo ouais que PNH les policiers ont intervenu ou bien différentes forces publiques ont intervenu yo senti que gagner makon en cohésion na action yo gagner absence je se dis là de stratégie côté problème la sorti c'est parce que c'est CSPN na ligon chef et chef la lila gagner CPT en qui là yo fait de réunion avec au état major avec l'armée. Qui bon problème la sortie et colonel Rebu, est-ce que c'est au niveau de où état major là stratégie ou pas mettre en place ou bien ou pas atterri, c'est quoi le problème avec non seulement force publique haïtienne et on dit déjà les troupes étrangères qui n'a pas du point de vue sectoriel.
il n'y a pas de gros problème. Sauf que c'est très clair qu'on déficit d'équipement, de matériel adapté à mode d'évolution troupio. Mais coup pour mais on dit que ce soit Canada, que ce soit États-Unis, bon la France a un degré moins, yo dit que voilà yo bail de équipement, yo noté remarqué, yo était viral sur réseau yo avant que même premier contingent yo rentré, tu gagne de équipement que tu as rentré, c'est pas de équipement qui est adapté, c'est pas suffisant, c'est quoi le problème? C'est évident que moi-même tout le temps depuis 3 ou 4 ans, nous tendons à parler de sujet ça, équipement et matériel qui est indispensable pour dans un premier temps arriver à stopper le problème. Non, m'a dit pour résoudre, non. Pour stopper le problème, non, il va gagner. Il n'y a pas jamais parlé de eux. Par exemple, il y a un petit événement qui arrive là. N'ont pas tenu compte de lui. Dernièrement, il y a un avion qui fait un crash. Et moi, quoi, je témoigne que le aller sous carcasse appareil là, il y a des impacts de balles. Il y a un autre événement qui est arrivé là il y a 3 ou 4 jours, que il y a un hélicoptère qui t'a déplacé vers le sud, en direction sud-ouest de la capitale, vers l'ouest, vers la Grandence, lui touché par des impacts de balles. Leur a fait étude sur l'artillerie anti-aérienne. Pour mon arriver toucher un appareil qui a volé, lui m'a demandé une expertise affinée sous plusieurs aspects. Premièrement, l'hélicoptère a déplacé dans une direction et dans un niveau aérien. Pour mon tirer sous lui, pour arriver, toucher le. Premièrement, faut mon être connaît que l'hélicoptère est capable de passer dans la zone ça sous AXA. Parce que c'est pas tant de temps nos hélicoptères à faire bruit en l'air et puis on va prendre position pour tirer sous lui. Donc, faut te gagner information. Si on pas gagner information, faut te gagner un dispositif prépositionné pour ça. Ou bien nous mettre des dispositifs là depuis 5-6 mois, pas jamais gagner objet volant qui passe dans un an, donc on pas jamais intervenir. Mais jour vu n'a passé exactement dans un an, prépositionnement permet qu'on cap tirer sous lui. Maintenant tirer sous lui pour toucher là, son bagage hautement technique. Et me rappeler, là nous t'as fait étude sur l'académie militaire, son étude pour calculer lead. C'est-à-dire le lead d'un avion ou bien le lead d'un hélicoptère, ça te prend nous 15 jours d'études continues assidues pour faire études mathématiques pour arriver à atteindre un objet qui a volé. Donc, nous, premièrement, il faut te connaître que l'hélicoptère a été passé et il a passé sous AXA. Parce qu'il doit avoir un dispositif prépositionné et en deux passages, il n'y a pas permis d'atteindre. Donc, pour arriver à atteindre un objet, un avion qui a volé ou un hélicoptère, pour calculer le lead là, pour toucher, c'est pas un bagage banal du tout. Alors là, ma vie, c'est des bagages qui passaient, peut-être qui passaient à anodin pour nous. Pour que ça m'a précisé ça, l'organisation de vous n'avez les bandits, pas de rien pour le avec les valeurs techniques du banditisme primaire. Nous devons être extrêmement sérieux. C'est ça que fait. L'homme temps dans le monde a parlé, il a dit, faut que vous gagnez l'hélicoptère, il va être plus fragile qui a gagné en matière de transport, à moins qu'on arrive dans l'hélicoptère haute technologie et il y a un déficit. L'hélicoptère a gagné, il s'annonce. Bien. Et matériel équipement pour nous dégager sur le plan aérien, pour demander au matériel ou équipement, pour qu'on stratégie, pour qu'on politique d'intervention aérienne. C'est ça qui va permettre de choisir
typologie objet volant qu'on besoin. Moi pas quoi nous river nous gien moun en Haïti. En tout cas, pour un gouvernement qui capable gien type penser ça. C'est ça qui t'a permis de connaître qui ça pour acheter, qui ça pour gagner tant en matière de diversion stratégique ou en matière d'efficacité opérationnelle. Nous pas gain ça. La police là pour diable a travail matin midi soit a bail rendement positif et c'est ça l'a constaté là dans bagaille qui domaine de compétence li l'armée nous connaît déficit déjà mais gain en pile tâche malgré déficit présent yo que yo ta cap attribuer et c'est même bagaille pour Kenya ou pose question hein? Mais qui ça passé que yo pas cap arriver à harmoniser ça son métier lié. C'est pas un qui docteur qui au matin va se mettre en uniforme sur une maison casquette dans tête lui ou bien lui croit que brusquement il devenu un général d'opération pas d'opération qui travaille dans un niveau stratégique dans la pensée stratégique qui pour permettre bail ligne d'action dans chaque champ opératoire. Cela veut dire que qui tâche lui attribué à la police. Pour qui ça attribue à ta salle? La police fin fait ta salle. Comment elle est capable de faire le relais avec l'armée? Et qui tâche l'armée à développer dans le moment côté la faire relais? Et finalement, l'heure où tu as utilisé Kenya pour rentrer dans la stabilisation continue? Et puis, le sort de la police nationale encore? Mais maintenant, pour faire ça, son métier lié. C'est quand on a une salle d'opération, il y a plusieurs personnes qui l'a. Il y a plusieurs chirurgiens qui l'a. Il y a des gens qui ont préparé le plateau, des gens qui ont passé ciseaux, qui ont passé escalpel par les médecins. Mais chaque, c'est un corps de métier, il y a des gens qui sont capables d'harmoniser tout ça. Ce n'est pas un matin levé pour inventer tête ou un commandant son théâtre d'opération. Et puis pour capable porter les corrections au moment qu'il faut être un métier. Maintenant, malheureusement, on a épuisé force nous en pile. D'abord, il n'y a pas assez protégé, il n'y a pas de matériel et équipement adéquat là, alors que des matériel simple, des équipements simples pour ta gagner, et il n'y a pas fait acquisition. Maintenant, il a fait rentrer une stratégie de base et que vient rentrer comme une sorte de cancer. Dans l'esprit forcio et dans l'esprit population, tout sont affaires de blindés. La règle de base de toute intervention physique sur un théâtre d'opération, c'est d'abord la règle du nombre. Qui quantité de monde qu'on peut opposer à une quantité de monde déterminée? Qui moyen gain pour mener mounio sous théâtre d'opération? Là, par exemple, nous choisissons la stratégie du transport des troupes par les blindés. Premier bagage nous fait, nous violons règles de base de toute opération, nous réduit et capacité nous pour nous gagner le nombre. Parce qu'on règle simple, pour attaquer un monde, il faut gagner trois monde. Et il faut gagner deux autres monde en réserve au cas où. De façon pour sûr que mission va être trois, on va faire, on va éradiquer les gens dans la zone côté. Donc, là, nous choisissons faire transport de troupes par des blindés. Premier bagage nous fait, nous mettez nous en infériorité numérique sur le théâtre d'opération. Or, quel que soit, Jean, ou en infériorité numérique sur le théâtre d'opération, ou pas cap qui est mon journée. Et vous obligez de courir tout. Vous obligez de faire action et vous courir. Parce que vous n'avez pas la sécurité du nombre. Maintenant, la sécurité du nombre vient aussi avec la suprématie de l'armement. Si par exemple, ou attaquer ou nègre, et puis nègre son fusil ligue, ou même ou obligé qu'on M60. Parce que faut une supériorité de feu. Maintenant, faut capable d'approvisionner supériorité de feu ça par une quantité de munitions. Mais si on choisit de déplacer un mécanique qui pas assure une logistique certaine, au départ perdant. Mm-hmm. Et moi qui sous terrain, ce ne sont pas des imbéciles.
Donc, même moi, je crois que Haïti totalement perdant, au départ, depuis sous papier, il est perdant dans la mécanique qu'il met en place. Et Libal fait 8h, nous pas proposer pour un colonel Rebu, mais avant, nous avons lancé la question ça, et peut-être répondre après pour nous. C'est maintenant qu'il faut-il faire, parce que j'en pense là, il y a un peu de monde qui fait penser ça, qui demande là, on demande 20, et ils ont estimé que son perte de temps. Parce que le Conseil sécurité des Nations Unies n'a pas jamais accès à ça par rapport à précédent. Et puis, nous avons gagné en partie dans le troupe. Est-ce que c'est augmenter le troupe? On dit, m'a dit pour Kenya, les voyer les troupes, mais que le président Ruto a déjà promis que prochainement, il a gagné en quantité qui a rentré. Est-ce que c'est augmenter l'équipement, changer le commandement, changer l'état-major? Qui ça doit être fait? On dit, dans le jour qu'il est venu là, pour au moins nous rallons souffle, parce que là, nous sommes presque à bout. Alors, nous déjà à bout, mais il presque fait une garde dans la main. Les 8 heures, on a proposé un retour pour le rébou à répondre à la question ça pour nous. C'était bon chez Magic 9. Magic 909, nous retournons après pour nos amis auditeurs, internautes et téléspectateurs. On a parlé avec Colonel Imle Rebu au sujet de ma transformation, mission d'appui à la sécurité, en mission de maintien de la paix. Et on demande que CPT en fait à un secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Sous tapé, développement des colonels Rebu, est-ce que faut-il faire maintenant? Parce que j'ai un peu de monde pensé, un peu de monde anticipé sur ça. Je pense que nous pas besoin d'une réponse qui est favorable dans le Conseil de sécurité. Hein? Nous déjà gagné deux troupes qui présent dans le pays. Maintenant, est-ce que c'est augmenter le matériel, prendre du matériel qui est adapté, augmenter l'effectif,
ou bien changer au commandement passer ou bien il y a des monde même qui même aller pour demander est-ce que c'est changer gouvernement parce que là il y a beaucoup en dit lumière à l'horizon colonel Ribéry qui point de vue par rapport avec question ça. Bon, moi-même, ça me pense que tu dois faire, qui vient pour faire, c'est ça que tu dois faire au départ là. Si nous avons un problème de un blessé, un accidenté de la route, et puis nous prenons nos menèrent quand on Richelieu, nous déjà connaissons que nous pas besoin de résultat à la rigueur Richelieu qui a blessé maintenant plus. C'est ça que nous avons à Haïti là. Nous avons un problème qui est extrêmement complexe de banditisme qui a un temps long d'entraînement qui est intégré dans un tissu social. Et puis, nous estimons que nous avons un monde qui a sorti de l'extérieur qui a venu résoudre ça pour nous. Au point que nous avons une menti technique. Nous accepter. Yo dit nous son problème, nous tellement croyons que c'est la police qui est capable de résoudre ça. Non seulement nous gagne la police pas nous que nous mépriser, que nous pas prendre soin nous, nous pas préparer, nous pas renforcer morale pour faire travail de police qui t'a capable faire. Dans chercher une autre force de police à l'étranger. Oh, m'a dit peut-être ça fait mille fois m'a dit ça. Quelle que soit la police au monde qu'on utilise pour résoudre le problème nous gain là, jusqu'à ce que Jésus-Christ tourne, s'il existait, n'a pas gommé toute la journée, nous ne pouvons jamais résoudre le problème. Parce que nature problème, non, ou pas qu'à mettre une solution policière pour résoudre le problème ça. Et là, me dit la police, là, me dit, quelle que soit la police, que c'est Salvador, Brésil, et les États-Unis, le Canada, la France, dès que c'est la police qui prend pour résoudre le problème, ça, les papes résoudent. Les papes même mettent, les papes même atténuent. Parce que la doctrine, l'entraînement, l'orientation, d'intervention des forces de police pas approprié à ce problème nous avons là ces premiers bagailles. Nous peut-être t'étendre il y a quelque temps et nous t'étendre une gros bêtise qui t'est sorti dans bouche monsieur Antonio Guterres côté alors il y a un problème là comme on peut mentir public qui fin bail on pas capable de mentir tête yo je dis une force robuste et policière militaire ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a une offre extrêmement intéressante que moi au courant que le Bénin t'a fait. Il t'a même proposé pour te voyer environ 2500 militaires. Là, nous t'as besoin d'une solution. Et moi-même, si je t'ai chita parmi mon cap, pensé bagaille là. Nous avons commencé par éloigner l'esprit dirigeant pour affaire de résoudre le problème par des méthodes de guerre. Parce que un bon militaire, premier bagage, il fait dans une situation de conflit, c'est pas à la guerre pensée. D'ailleurs, il y a un axiome qui dit « civis pacem parabellum ». Si vous voulez la paix, c'est la guerre pour préparer. Et vous préparez la guerre, pour qu'il n'y ait pas pour faire, justement. Ça nous remarque. Et le type d'organisation, le type d'entraînement, le type de pensée au niveau bandit, lui a l'aimé d'un sous ta prend par gouvernement, c'est que vous avez un élève 18 sous 20 et vous avez l'autre là 2 sous 20. Les gens qui sont dans le gouvernement, ils ne pas comprendre ce qu'ils ont fait. Premièrement. Deuxièmement, moi, je crois que y a un complexe. Et d'infériorité par rapport à la pensée des Américains. Depuis les Américains, nous, bagaille, c'est ça. Tout ça, les Américains ont proposé nous jusqu'à présent, ce n'est pas ça. Or, moi-même, je connais que les Américains ne sortent pas.
tout ça me connaît. C'est dans deux manuels, il y a des FM que Américains ont édicté, qui non seulement qui gagne de bagages expérimental, mais qui gagne ça relève des solutions d'école, des solutions qui naissent à partir de l'expérience que vous faites. Et il a adapté et stratégie et tactique en fonction d'expérience. Donc, un Américain est apparu à l'état ou la bonne force de police pour ça, ou après que propre livre américain ont râlé, ou montré dans tel FM, tel numéro, tel page, tel bagage, problème ça, mais quand il était passé, mais qu'il a été résolu, j'en dis pour résoudre, il n'y a pas qu'à résoudre comme ça. Maintenant, comme Américain vous connaît, je vais poser une question. Pour qui ça y offre nous mauvaise solution? Par exemple, moi-même, moi, quoi, parole, et M. Blinken dit là, côté rentre l'esprit chef, nous, vous en avez écrit, l'ONU, c'est là, on voit une équipe qui fait un fin fond goal, et puis là, vous voyez, ballon, on a gardé, côté fanatique, qui a pris un boule là, et c'est son seul boule qui a pris un match là, pour qu'il ait fait l'air, pour qu'il ait passé. Amérique a un problème à faire élection au clair. Yo pa gwo ken engagement yo pral pran sérieux vis-à-vis d'Haïti et tant que élection pa fin passé. Et moi gen conviction que les États-Unis pa vle que problème qui grand Haïti a résout. Ça c'est pas un bail supposé, non, gen conviction parce que yo pa sorte. Tout ça yo proposé nous yo pa ça au départ. Matériel et équipement yo proposé nous pa répondre à situation. Au matériel que nous avons besoin, nous connaissons. Le pays a dit depuis tout le temps. On ne peut pas résoudre le problème. Ça. D'ailleurs, les moyens terrestres, nous ne pouvons pas gagner. Nous ne pouvons pas gagner les moyens. Qui continue de faire nous gagner pour nous déplacer dans chaque camion, nous gagnons environ au moins en 18 et 20. C'est-à-dire que l'on déplacé à 10 trucks, ça veut dire qu'on gagne 189 sur le théâtre d'opération. Nous ne pouvons pas gagner. Nous n'avons pas de moyens de déploiement de troupes sur le plan aérien. Nous n'avons pas de moyens d'observation, de surveillance sur le plan aérien. Les événements qui se sont passés la semaine dernière montrent nous que Bandio est tellement avancé sur nous, il y a un contrôle de l'espace maritime. Depuis tout le temps des étrangers, j'ai entendu parler de moyens de surveillance maritime. Donc moi-même, je crois que nous avons un théâtre de mauvais goût, au point que je demande, que de bagages, je ne suis pas affirmer, parce que je manque d'éléments, mais je fais ça avec un raisonnement, une déduction sur des faits. Et il y a des bagages de projets et politiques, économiques, que on sait de l'autre pays capable de gagner, les États-Unis notamment qui concernent Haïti. Et puis, vous remarquez, chaque fois que vous avez effectivement un bon coup de main, vous avez besoin de remettre un blocage là-dedans. Par exemple, vous parlez d'un pays comme El Salvador. Côté Haïti débloque et développe des relations avec eux, vous êtes prêts, vous avez vu un coup de main. Les États-Unis interviennent dans le pôle là, ils disent oui, Salvador est capable d'intervenir pour permettre l'évacuation des blessés. Qui nous a blessé pour l'évacuer? Donc, moi, je crois que. Et je ne suis pas capable de dire que les gens qui sont dans le CPTO, bon, premièrement, je ne connais pas. C'est son premier bagage. Ça me certitude là, je ne connais pas. C'est de Richelieu qui a fait métier ou médecin. Je ne connais pas. Deuxièmement, je ne voulais pas qu'on ait non plus. Je ne voulais pas qu'on ait non plus. Parce que jusqu'à présent, je ne connais pas. Je suis réuni de monde souterrain qui réputé qu'on est. Qui te baille ou même une opinion, je te dis, ah, opinion ça, nous ne sommes pas d'accord avec lui, nous ne pouvons pas appliquer. Nous ne pouvons pas faire ça à fait. Et les gens qui sont dans le CPTO, les gens qui sont dans le gouvernement, ils ne sont pas des ignorants. Et pas de monde sort. C'est pas des imbéciles. C'est des gens qui choisissent de manière consciente ou pas. Pour qui ça? Je ne sais pas. Pour ne pas faire ça pour faire pour le problème de résoudre. Est-ce que vous êtes conscient? Je ne connais pas. Seul ça me connaît, minimum je dois faire pour relayer de monde, dire ok, il y a tel problème là, comment vous avez un problème ça? Qui sont pensés de lui? Même si vous tuez après. Mais ils n'ont jamais fait ça. Parce que vous croyez que c'est des petits mounions.
un jour bon monde qui a résolu problème nan pour yo par miracle et puis y a qui profiter pour y faire manœuvre politique pour yo faire pour élection pour y vider pour qu'a faire même bail là par action ou par omission le CPT non situation de culpabilité ça moi dit de manière formelle le non situation de culpabilité sur le sang des gens qui meurent des gens qui sont blessés des gens qui sont violés des gens qui pas capable rentrer la caillou et moi-même le m'a analysé question hein moi prends pile temps d'entendre monsieur Yore le bandit moi prends en pile temps observer action yo et moi-même moi reconnaître que bagay ça son bagay qui pourrait chita pour discuter parce que me pas croire c'est une approche guerrière là nous va résoudre problème. Zanmi famille Anouel Akay, après gros bataille qui t'est pété dans un compte en conseil présidentiel avec premier ministre Gary Conille, et bien président conseil là jodi en qui t'est payé Leslie Voltaire la guépier li Colombie. Donc bureau presse conseil là confirmé nouvelle là dans une note yo bay raison Leslie Voltaire pas nan pays. Donc dans un moment critique après que conseil là t'est fini présenter bilan yo après 6 mois et stricti ça qui dans tête pays Leslie Voltaire li était vraiment honnête en la déclaration li yo côté jusqu'à présent yo pour ka rétabli sécurité dans pays. Donc nous voyons que la police tournait sapé pompier donc c'est après dégâts yo donc li vini pour vider tite l'eau sous difeyan qui tout rouge en bas dans Pailan. Donc malgré présence en mission multinationale yo gang nan et pas personne yo sans contrôle yo arrivé tirer sur hélicoptère Nations Unies et yo tiré sur un convoi machine ambassade américain. Donc pour raison ça donc nous wè que gagné ligne aérienne Spirit avec JetBlue qui campé voyage sur Haïti. Donc imaginez nous donc si c'était un avion commercial qui était touché par balle ça yo donc un gros dégât qui était causé pendant nous vous comprenez pour genre de tragédie ça yo sami famille yo. Donc hier soir bandi yo mettait dife dans Solino donc Solino était en bas gros flamme dife image terrible sous ta remé garder au cap passé sur Telegram en Nouvelle Acadie TV. Donc c'est triste mais ça qui pi mal dans l'histoire c'est parce que nous avons paquet dirigeant donc nèg qui était déjà ouais problème nan qui était con qui ça problème nan qui ça bagarre lan donc qui pas de gagner solution nan men yo donc yo vini dans tête pays hein. Donc c'est improvisé que y a improvisé et chaque fois yo fait une intervention situation hein, les vient plus empirer. Donc a pigo bagay nous connaît que c'est pété hein, donc réalisé pendant 6 mois que ce passé là c'est monté et au gouvernement a été choisi un premier ministre a été entendu sur ça. Donc après nous c'est corruption, c'est nager dans corruption, donc scandale BNC, l'agent renseignement paysan que nego a pas brassé, donc a gain parti politique aidé de ancien ministre Claude Joseph qui écrit avec un ministre de défense pour lui pas participer dans aucun conseil des ministres avec trois conseillers qui impliqués dans scandale de BNC. Donc après nous té wel demandé Smith Augustin pour lui démissionner dans conseil là. Eh bien c'est tout par ministre Antoine Berthier pas participer dans conseil des ministres avec trois conseillers présidentiels et nous voyons que juge qui sous dossier hein, qui sous dossier scandale BNC hein, donc il invité Raoul Pierre lui donc qui pas dans pays hein, et pour que il commence enquête sur dossier ça zami famille Anouel Akay. Mais nous voyons que gagné Emmanuel Vertiller qui c'est représentant est parti et petit à Dessalines de ancien sénateur Maurice Jean-Charles et bien et selon note et que le mette dehors qui y a 9 points la donne donc il montrer que juge là et en tant que président de la République monsieur li pas gagné donc li pas gagné donc autorité donc pour li tendel donc c'est ça que Emmanuel Vertiller li même te présenté dans 9 points et ça yo donc c'est un dossier que n'a pas arrêté et suivre pour vous et donc amis famille nous donc des fois tout on a posé peut-être nos questions donc pour qui ça que pays ça li même li gagné ministre défense pour qui ça que li gagné ministre intérieur pour qui ça que li gagné ministre justice et côté que nous connaît que trois parties ça yo et vraiment contribuer yo doit contribuer dans sécurité et pays dans gérer territoire là et dans
gérer défense en pays tout en frontière pendant que nous pas jamais moyen plan et vraiment qui établit un plan concret donc pour gérer pendant nèg sa yo même il y a touché en pile l'argent donc dans tête donc ministère sa yo donc il faut nous poser nos questions pour qui ça que nèg sa yo yo still toujours là donc pour qui ça il y a payé yo donc c'est un gros problème donc, comme je toujours dit. Donc des fois tête là malade que corps lui-même pas bail résultat corps lui-même ni couché tout il pas fait rien et bien il y a deux gros entités dans tête exécutif là qui a bataille pour pouvoir donc en depuis donc après Haïti était prend honte dans 79e assemblée générale Nations Unies donc bataille entre l'identité ça revient plus intense avec yon Leslie Voltaire de famille parti de famille Lavalas qui voulait jouer toute prérogative à un président, voulait montrer force li face au premier ministre qui a pour les peuples dans farine depuis là que li prend pouvoir, qui était déclaré li pour aller reprendre la sécurité pays caille par caille, quartier par quartier, ville par ville, mais nous voyons que ces bandits ont appliqué ça que le premier ministre lui-même li te dit, nous voyons ça qui a passé dans plusieurs quartiers, dans plusieurs villes et dans pays, donc c'est les bandits donc qui a frappé hier soir, yo frappé Solino malgré que la police a dit que l'a mené intervention dans Solino donc nous Solino levé donc en bas flamme d'ife. Et bien deux entités ça yo a hier dans une réunion qui a été fait donc réunion ça qui finit en queue de poisson donc réunion ça était basé sur remaniement ministériel que conseil présidentiel l'a écrit Gary Conille donc on t'a dit que donc il va remanier donc ministère il va remanier gouvernement donc Gary Conille qui était metteli à la disposition donc de conseil là et bien hier en réunion Gary Conille lui refusait catégoriquement donc sous demande d'un conseil là pour remanier gouvernement côté que il visait 8 ans ministère affaires étrangères et ministère de la justice et de la sécurité publique et ministère intérieur planification santé publique défense et MAV donc c'est 8 ans ministère ça yo que président et conseil là Leslie Voltaire qui déjà gagné liste non moun pour que les remplacer ministre qui dans gouvernement Gary Conille donc Gary Conille lui-même qui a joué intelligent Gary Conille qui et prend conseil que ancien sénateur Hector Anacassis Tebali donc monsieur Badjan voulait al chita parler avec parti prenantio parti qui gagne représentant yo en dans conseil là et bien Gary Conille li nan yon démarche là li commencer rencontrer toute parti politique sa yo et bien nèg en dans conseil là représentant yo fâché hier yo manqué bay Gary Conille yon vote de censure ça dit yon manqué révoquer Gary Conille manqué voyer l'aller tellement que nèg yo fâché. Donc qui ça que Gary Conille comment c'est fait donc Gary Conille qui est senti que monsieur yo gen gros désaccord avec parti prenature donc là non considéré Smith Augustin donk, de parti aidé donc aidé qui mandé li démissionner donc malgré que li gagné raid avec un compromis historique qui toujours supporté li mais nous gagné Louis Géragil accord 21 décembre qui était annoncé que et yo déjà paré pour remplacer lui yo gen non pour remplacer lui et tout Edgar Leblanc fils ancien président conseil là qui est abandonné par collectif en 30 janvier donc après que Edgar Leblanc lui t'a fait déclaration côté que il pas parler chita en dans conseil là même côté avec trois conseillers qui impliqués dans scandale de corruption mais nous Edgar Leblanc fils li retourné donc dans vomi encore donc Edgar Leblanc fils dans conseil là donc n'a demandé qui caractère que n'exa même yo gagné côté et sentiment urgent mon dégadi bien et Gary Conille donc li dans démarche là donc pour que li joindre qui ça que n'y a chercher donc c'est intérêt donc parti politique yo ou bien est-ce que c'est intérêt personnel yo que nèg yo donc veulent changer gouvernement donc pour qui ça que Gary li même tout pas veulent changer gouvernement donc est-ce que c'est résultat que gouvernement bail parce que ministère intérieur li nan men Gary Conille donc Gary Conille qui gen deux ministères nan men c'est-à-dire lycée premier ministre et encore lycée dit c'est lui qui a coordonné donc tout ministère pendant que lui dans tête en ministère intérieur elle va même gagner temps pour lui gérer ministère intérieur là donc ministère intérieur en pays donc c'est lui même qui gère toute sécurité dans pays
donc qui pour coordonner avec un ministre de la défense là et tout ministre de la justice. Donc nous voyons que tout et brigandage qui a fait dans et question ça yo les amis familiaux. Donc pour qui ça que Gary Conné lui-même pas voulu remanier donc ministère pour remplacer n'équipe pas qu'à travail pour qu'il y ait résultat, parce que peuple lui-même a besoin résultat, mon Solino besoin résultat, mon Akaye besoin résultat. Nous avons des vidéos que mon Akaye a quitté Akaye, donc prend bateau pour que yo renyo et donc en Lagonave qui puis près et côté que nèg yo capable monter là mais pour aller joindre parce que si yo sou et île Lagonave si mon Lagonave monter donc il y a difficile pour yo pas pour sauver. Donc en pile mon Akaye donc la gpié yo dans Lagonave, donc et c'est résultat que moun yo besoin, donc il besoin moun qui a pensé, donc moun qui voulait porter une solution. Donc il a besoin bataille nèg qui besoin pouvoir nèg capable et bataille pour que yo gère plus poste pour faire plus l'argent donc dans tête pays. Mais yo était déjà connait comment que situation entier, donc nous voyons que yo pas gagné aucune solution malgré que nous ayons force multinationale, malgré un pile expert dit que force ça pas bail résultat. Donc nous continuer avec la force ça toujours et en rien sérieux que force l'a fait. Nous intervention qui a été fait Kyle Lixon non, donc zam que ont montré non c'est yon 12 et que l'a regardé. Donc bandi yo yo pas utilisé parce que 12 ça encore c'est un paquet de bande gros zam AR 15 nèg yo utilisé, c'est M4, c'est Kalachnikov, c'est gros zam qui dans nèg yo que yo utilisé zami famé nou yo. Donc bagarre là li toujours été compliqué. Gare qu'on y a joué le malin, il pas voulu changer ministériel et pour qui ça que nèg yo voulait changer ministériel sans pile question donc en capable est posé. Donc il y a un pile observateur qui voit que changement ministériel c'est pour nèg yo ka gérer élection parce que poste ça yo et ministère régalien yo c'est ministère qui rentre en pile l'argent. Donc Gary te vini pour que li gagne contrôle ministère ça pour nèg yo pas de gagner donc contrôle l'argent yo parce que parti politique yo c'est nèg pauvre yo besoin l'argent pour yo aller dans élection. Eh bien Gary Conné te prend contrôle yo. Eh bien nèg yo vle prend contrôle et ministère yo encore zami et famille yo. Donc hier monsieur yo te présenté bilan 6 mois yo dans tête pays yo nèg conseil présidentiel yo. Nous va l'inviter ou attendez déclaration que et président concernant Leslie Voltaire donc qui pas dans pays hein, donc pendant que l'étape quitté pays hein, jodi hein, donc t'es gagné présence Gary Conné que nous t'es ouais et présence ministre affaires étrangères là gagné Emmanuel Vettiler qui était là donc directeur la police là et puis ministre de la justice et de la sécurité publique qui était présent sur tamac aéroport au sein l'ouverture là li aller Colombie côté que li a participé sommet donc en bio et diversité de l'ONU donc en COP 16 et mais nous voyons que dans notre là il va dire qu'il est que Leslie Voltaire lui-même a tourné donc dans pays en amis famille sécurité donc en pays donc sécurité pays là qui a détérioré de jour en jour donc bandi yo même a et prend plus en territoire yo plus à l'aise donc malgré présence conseil malgré présence force multinationale là et nous voyons que et Kenya et qui gagne 600 policiers qui li gagne pour venir renforcer ou bien pour compléter 1000 policiers que ont été annoncés hein bien parmi eux donc a gagné plusieurs et unités SWAT qui c'est femmes seulement donc qui pral faire partie de unité ça pour capable 600 policiers qui vini donc pour venir renforcer et force multinationale. On espère que vous êtes ensemble avec nous et de commencement à la fin. Donc si qui vous appelle tomber sur channel ça pas oublier abonner peser bouton de notification pour pas rater aucune vidéo pour qu'venir faire partie de et channel ça et nous saluer tous les amis nous qui un peu partout et qui toujours ba nous love là qui ta moi même dans prochaine vidéo on va croiser.